40 ans après la déportation, soit en 1798, il y a un autre recensement qui est fait à l'île qui nous apprend qu'à ce moment-là, il y a à peu près 682 Acadiens et Acadiennes qui vivent à l'île du Prince-Édouard. Ils sont divisés en trois communautés principalement, une communauté par comté. Dans le comté de Prince, ils sont sur la baie de Malpeque. Dans le comté de Queens, ils sont sur la baie de Rustico. Et dans le comté de Kings, ils sont à la baie de Fortune. À Malpeque, il y a 51 familles et ce sont les Arsenault qui sont les plus nombreux. À Rustico, il y a 42 familles et là, les Galants dominent. Enfin, à la baie de Fortune, il y a seulement 22 familles et là, ce sont les Chiassons et les Bourques qui sont les plus populeux. Quelques années après le recensement de 1798, plusieurs familles acadiennes doivent encore quitter leurs terres, surtout en raison des problèmes qu'ils ont avec les grands propriétaires terriens qui sont des Britanniques et à qui les Acadiens doivent payer une location pour demeurer sur ces fermes-là. Alors, les familles de Malpeque vont quitter pour aller fonder Tignish, ensuite Kaskumpek, Baie-Egmont, Mont-Carmel et enfin pour aller à Miscouche. Ceux de Baie de Fortune vont quitter leur terre pour Rollo Bay et d'autres vont même aller jusqu'au Cap-Breton. Donc, dès 1820 à peu près, les Acadiens se trouvent sur des terres, sur des régions où aujourd'hui leurs descendants vivent toujours.